Bonjour, donc voici cette semaine pour une petite démonstration, une petite review d'un effet qui s'appelle EL3DON, de Mark Elson. Alors c'est sympathique comme effet, c'est pour ça que je le présente, parce que malheureusement on n'a pas de vidéo de ça qui est présentée. On voit pas, d'ailleurs je sais même pas si on voit le tour en entier. Et du coup, ben, c'est un tour qu'on laisse un petit peu passer à la trappe. Et c'est dommage parce que c'est vraiment, vraiment très, très bon. Donc c'est un opener hein, comme tour. Et franchement, c'est vraiment très, très bien. C'est d'une simplicité étonnante. L'effet, il est vraiment très, très bon. Et je trouve vraiment l'effet vraiment sympathique. Donc moi, je vais faire que la première partie de ce truc-là parce que dans ce petit truc, il y a plusieurs routines qui sont décrites, notamment une routine d'objets cachés dans les mains de plusieurs spectateurs et surtout après toute une routine où on va se servir d'un spectateur ou d'une spectatrice en tant que complice, plus ou moins. Enfin, du moins, elle va devenir magicienne, cette spectatrice, et elle va deviner les cartes que choisissent les spectateurs qui sont en face. Donc Alors qu'à la base, c'est... elle n'est pas Alors, complice. oui, c'est quand je dis le mot complice, c'est-à-dire parce qu'on va la prendre pendant qu'on fait le numéro, on va demander à une spectatrice ou un spectateur, on va le prendre avec nous, on va lui expliquer 2-3 trucs pendant une vingtaine de secondes, et en fait, il va revenir et il va être lui magicien. Donc, et il va retrouver à chaque fois les cartes choisies par le spectateur. Alors, c'est toujours le magicien qui fait le tour, hein, mais c'est le spectateur qui est à côté ou la spectatrice qui va deviner les cartes qu'ont choisies les spectateurs. Et à chaque fois, c'est crescendo, c'est. Elle les devine d'une façon de plus en plus difficile. On se demande même à la fin comment elle fait pour deviner, alors que le jeu il est mélangé, les cartes elles voient rien, machin. Il n'y a pas de forçage au niveau des cartes, enfin, du moins ça change à chaque fois les choses. Et ça devient intéressant parce que ben, du coup, sur un groupe de personnes par exemple qui pourraient être à une table ou même à un mariage, eh ben, on fait participer un spectateur qui lui en fait va deviner à chaque fois les cartes choisies. Et franchement, c'est très très bon. Voilà, c'est vraiment très très bien. Je vous le fais pas bah parce que faudrait être plusieurs pour faire ça, autrement il n'y a aucun intérêt. Hein. On pourrait dire que j'utilise directement Thierry en tant que complice et qui sait comment ça fonctionne. Et puis en plus, comme c'est quand même assez long, puisque l'idéal c'est de faire à chaque fois et d'enchaîner toutes les routines, et je vais pas faire ça pendant un quart d'heure Peut-être ici. alors à la sauce, À ça. l'association, peut-être, on le fera. Je verrai. Après, entre magiciens, bon, c'est un petit peu plus difficile. Je sais pas si ça va plaire Oui, entre magiciens, mais. ça plaît que si on est sûr que la personne en face n'est pas Tout complice à et n'est fait. pas magicienne. Exactement, Donc. autrement il n'y a aucun intérêt. La deuxième partie, bon, c'est une trouvaille d'objets avec des questions bien particulières, ça je vous le fais pas, je vous fais le premier qui est la prédiction, qui est En gros, vous achetez l'opener. le premier et tout le reste est cadeau. Et en Ouais. plus, le prix ne vaut pas le matériel que vous recevez. Non, ben Parce le prix c'est le que... contenu ce qu'il y a à l'intérieur, voilà, parce que c'est vrai que quand on ouvre le truc, il n'y a rien de particulier à l'intérieur. On s'attend pas à voir. n'y a pas de jeu qui est Il n'y a pas de vendu, jeu, tout à fait. il donne des cartes, des objets, des... Exactement, et les explications en lien. Mais en fait, c'est quand même très très bon. Voilà, donc pour vous dire que je vous fais le premier, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez intéressant. Calvin, j'ai ici un jeu de cartes, 50 de cartes. Je vais le sortir. Ok. Rien dans la boîte. D'accord. Vas-y, Et. approche-toi un peu. Je vais fermer ça et je vais y mettre une Là. petite prédiction. D'ailleurs, ok, Allez. très important. Alors, je fais la prédiction maintenant, puisque autrement, il n'y aurait aucun intérêt. Tu vas dire oui, mais après, je triche. D'accord? Allez. Allez, je me concentre. Hein. Attends, je me concentre. Quand je dis, ouais, je vais plutôt la dessiner, ça va être plus. Rapide. Voilà. On va faire ça comme ça. Voilà. Je dessine. Si t'as dessiné une carte, Voilà. on sait que c'est pas du carreau parce que ça fait t'as tourné en rond avec ton stylo. Tu vois qu'on est fort nous aussi. C'est pas mal, t'as une bonne lecture du mouvement. Mais tu serais étonné. Voilà. Allez, je la laisse là. Tu vois, je vais essayer de dépasser le papier. Au moins comme ça, on est sûr que j'y touche pas. Ok? Regarde ce que je vais te demander, Calvin. Tu vas m'aider, je vais mélanger le jeu. Mais d'ailleurs, tu vas m'aider toi aussi. Tiens, coupe une partie des cartes. Voilà. Garde-la, voilà. Okay. Et ouais, tu mélanges aussi, au moins comme ça, c'est fait. Ok? Tiens, je vais récupérer ton paquet. Voilà, hop, on va couper.
Et on va mélanger tout ça. Alors, Calvin, ce que je vais te demander, je vais couper une dernière fois, à peu près. Alors, ce que je vais te demander, Calvin, c'est que je vais te demander de choisir une carte, mais pas choisir une carte comme ça, ni choisir une carte comme ça. Donc, alors déjà, on peut constater que hein, le jeu est donc, il n'y a pas de patriche, le jeu est bien mélangé. Et tu vas choisir une carte en coupant comme ceci et en retournant une partie comme ça face en l'air. De cette façon-là, je ne connaîtrai pas forcément la position où tu as coupé. Enfin, je vais le voir par la suite parce que forcément, je vais étaler les cartes. Mais je ne peux pas savoir non plus quand tu vas couper ici sur quelle carte tu te seras arrêté là. D'accord. D'accord. Et tu vas comprendre à quoi ça va servir. Donc, tu coupes où tu as envie, je te laisse faire. Donc, tu peux couper autant 2 cartes, 3 cartes, comme 48 cartes, comme. Tu fais ce que tu veux. Tu coupes. Et où tu as coupé, tu retournes le paquet face en l'air. Là, je le retourne. Ouais, tu le retournes. Tu le regardes. Et, okay. Ouais, tu peux le mettre dessus. Je le mets dessus. Voilà, de toute façon, d'autre manière, moi, okay. Je vais. Donc, t'imagines que tu aurais pu couper beaucoup plus loin ou beaucoup plus haut. C'est-à-dire que la carte qui est. Donc, je vais te les montrer comme ça pour te montrer qu'il n'y a aucune triche. Hein. D'accord, que je passe pas des cartes en plus, en moins. Ouais, donc la carte qui est entre guillemets ici, je ne pouvais absolument pas la connaître. Je vais la laisser là pour le moment. Je vais te remontrer les autres cartes de l'autre côté, d'accord, qu'il n'y ait pas de triche. D'accord, qu'il n'y ait pas plusieurs cartes en fait. Hein, parce qu'on pourrait penser qu'au début, comme tu n'as pas examiné le jeu, voilà, qu'il y a vraiment une seule carte et que je ne pouvais pas savoir où tu as coupé. D'ailleurs, je suis bête, je l'ai rentrée, mais j'aurais pas dû la rentrer. Voilà, okay. Je vais la laisser là. Et ce que je vais te demander, c'est très simple. Tu aurais pu t'arrêter sur n'importe laquelle de toutes les cartes. Ouais. Est-ce que tu es conscient de ça? Tu aurais pu t'arrêter et couper pas beaucoup de cartes, ou alors couper énormément beaucoup de cartes, et forcément, la carte aurait été différente à chaque fois. Calvin, pour la première fois de tout ce jeu-là, tu as choisi une seule et unique carte. Je te laisse faire, mais si la prédiction que j'ai dessinée là correspond exactement à la carte qui est ici, c'est un miracle. Je te laisse vérifier. Est-ce que ça, c'est bon ou pas? Ah ben oui. Le 3 de trèfle. 3 de trèfle. Et ça fonctionne. Alors, déjà, c'est une première coïncidence, c'est déjà pas mal. On pourrait aller beaucoup plus loin dans l'expérience. Tiens, tu peux prendre la boîte et enlever le petit papier. Voilà, maintenant tu mets ta main comme ça à plat. Voilà, tu mets ta main par-dessus. Voilà, et on va essayer quelque chose d'un petit peu de différent. Je vais mélanger encore une fois les cartes. Voilà. Tu aurais pu le faire toi, mais tu tiens la boîte, d'accord? Et je vais mettre ton 3 trèfle ici, et je vais couper le jeu, de façon à perdre, en fait, comme ça, hop, dans le jeu, le 3 trèfle. Si je fais comme ça, est-ce que tu sais à quel emplacement se trouve le 3 trèfle? Non, pas du tout. Si maintenant, je coupe le jeu comme ça, est-ce que tu sais à quel emplacement se trouve le 3 trèfle? Normalement, encore toujours, moins. Toujours encore pas. Moins. Ok. Tu vas laisser la boîte, une main sur la boîte, voilà, sur l'autre. Voilà, et là tu vas couper. Okay. Voilà, et tu vas imaginer une position entre 1 et 52 d'où peut se positionner le 3 trèfle. Vas-y, coupe à chaque fois. Tu coupes, tu coupes, et tu vas imaginer que le 3 trèfle se déplace comme ça. Okay. Voilà, et quand tu sens que tu sais où il se trouve, ben t'arrêtes. Donc je laisse comme ça? Ouais, tu recomplètes, voilà. Okay, est-ce que tu penses savoir à quelle position se trouve le 3 trèfle? Non. Non. Ce sera aléatoire si je te dis un nombre. Ouais, bah, vas-y, dis, on sait jamais. Bah, je vais dire 33. 33, ok. Tu sais combien il y a de cartes dans un jeu de base 52. 52, bah tiens, prends le jeu. Ouais, et tu les comptes une par une. Et tu me diras à quelle position se trouve le 3 trèfle. Face en l'air? Ouais. Donc, je compte 33 alors. Ah bah, je compte. Attends, s'il tombe à 33, c'est un miracle. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32. Et c'est perdu. Ah bah c'est perdu. Tu vois? Bah t'aurais pu tomber juste. 33. Bon bah elle est pas à 33ème, vas-y continue, on va voir à quelle position elle se trouve. 33, 4, 35, 36. Bah, en fait elle arrive pas quoi. 37, si j'avais dit 42 c'était là. 34. Ok. Ok, il n'y a pas de 3 de trèfle. Hein. Non, mais vas-y, continue. Parce que là, c'est quand même bizarre, quand même, parce que moi, j'ai rien fait. C'est toi qui as les cartes en main. Ok, 51. Ouais, en fait, il y en a 51. Ah. C'est bizarre, ça, quand même, au fait. Ah. Parce que j'ai mis le 3 de trèfle dedans, t'as coupé. Attends, t'as tenu le jeu en main. Ah, oui, tu peux prendre le petit étui là et secouer. Ah.
Ah ouais, ça semble bizarre. Et tu peux l'ouvrir parce que moi je veux pas toucher, mais il y a une seule carte et unique à l'intérieur. Et c'est un 3 de trèfle. Que du bonheur. Et tu peux les regarder une par une, tu peux les recompter. Il y a bien 51 cartes. Et la carte manquante, et pas plus, c'est bien celle-ci. Le 3 de trèfle. C'est vrai que c'est joli. Mais voilà, t'as un tour pour ce week-end. Pas mal. Voilà. Donc voilà l'idée de du tour. Bon, j'ai rajouté 2-3 trucs comme ça pour la faire un petit peu plus longue. Mais voilà. Donc c'est vraiment 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 intéressant. En plus le reset de ce tour, il est instantané. Il se fait avec plusieurs cartes d'entrée quand vous recevez le tour. C'est un tour que vous pouvez enchaîner de table à table. C'est vrai que tu peux le refaire une deuxième fois, ça sera pas le même. Tout à fait. Ouais. Il se fait autant. C'est un tour qui se fait autant à table qu'au comptoir, qu'en situation au salon, ou alors qu'en situation close-up. Donc c'est, voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Voilà. Donc c'est, je trouve cette idée de tour et cet opener sympathique, puisque c'est simple. Je pense que c'est pas compliqué pour les gens pour comprendre que ce qui s'est passé, c'est un miracle. Déjà la première fois, parce que c'est quand même fort. Et sans... apparemment rien toucher, rien faire, la carte est insérée dans le jeu, elle disparaît, l'étui à la base quand on le sort, on le montre pas qu'il voilà, on ouvre, on voit que c'est vide et d'un coup la carte apparaît dedans, c'est le spectateur qui le prend. Je trouve la continuité toujours vraiment excellente. Donc voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Voilà, donc ça c'était une petite démonstration de EL3 d'homme. Le titre il est pourri pour moi. C'est difficile à trouver. Moi je me rappelle jamais si c'est Dom, si c'est Don, EL3. Voilà. Voilà. Bah, à bientôt. Allez, à la prochaine. Explication en français. Explication en français.